Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, sentimental, je vais partager message du jour que vous avez à recevoir dans votre sentimental. Alors, comme toujours, je débute par un message carte. Allez, je prends ce magnifique oracle. On va les voir. Alors, à gauche, la personne de votre cœur. Au milieu, votre lien. Et vous, à droite. Et on va aller voir tout ce que je peux partager aujourd'hui. Alors, bien sûr, c'est du général. Vous faites bien preuve de discernement. Tous les messages ne pourront pas vous parler. C'est normal. L'arbre. L'arbre s'est envolé. Il y a du vent, alors. Il y a du vent chez vous? C'est chez qui qu'il y a du vent? Vous me direz dans les commentaires, il y a une personne chez qui il y a du vent. Il y a le vent. Alors. Alors, sentimental. Donc, la personne de votre cœur à gauche, votre lien au milieu et vous à droite. Et je partage tout ce que je peux partager avec vous. Ensuite, mon écrit. Voilà, j'espère que vous portez tous et tous très très bien. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est pas grave. Vaut mieux répéter deux fois que pas du tout. Je tiens à vous remercier pour toute votre présence sur la chaîne, peu importe quelle qu'elle soit. Merci, 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 merci. Allez, sentimental, on y va. Alors. Alors, ça peut être... La personne de votre cœur peut avoir un commerce. La personne de votre cœur peut avoir un commerce et je vois qu'elle va recevoir un cadeau dans son commerce. Il y a un cadeau. Sur le lien, il va y avoir une proposition. La personne de votre cœur va vous proposer un rendez-vous. Pour moi, avant la fin du mois, ça peut être aujourd'hui, ça peut être avant la semaine, mais ça peut être surtout avant la fin du mois. Je vois un cadeau qui arrive à la personne de votre cœur. Ça peut être matériel, immatériel, lié à son commerce. On a un commerce pour moi. Oui, vous voyez, la personne de votre cœur a un commerce. Là, je vois que vous allez former un couple soudé. Hein. Vous avez espéré... Une stabilité, qu'une stabilité avec la personne de votre cœur arrive. Et c'est enfin là. Vous allez vivre un couple soudé avec une stabilité l'un envers l'autre. D'accord? Donc je vois la personne de votre corps recevoir ce cadeau. Recevoir ce cadeau. Dans son commerce, ou alors avant même de recevoir ce cadeau dans son commerce, je vois une proposition. De toute façon, je vois cette personne, le lien va bouger entre vous. Cette personne va faire bouger le lien, va vous proposer un rendez-vous aujourd'hui, cette semaine, avant la fin de semaine, avant la fin du mois. Et vous, ce que vous voulez avec la personne de votre cœur, c'est former un couple soudé et avec de la stabilité et une stabilité qui arrive enfin. Autant pour l'un que pour l'autre, peu importe le besoin de stabilité que vous avez. Vous pouvez avoir un effet miroir, avoir un commerce tous les deux, ou alors être indépendant dans votre professionnel. Sur votre lien, là, vous êtes bloqué dans l'instabilité. Vous, tous vos projets sont très féconds, très fertiles. Le couple soudé là que vous allez le couple soudé avec la personne de votre cœur, ça sera un couple aussi très fécond, très fertile, hein, dans la réalisation de tous leurs rêves, de tous leurs de tous leurs projets de vie aussi. Hein. Voilà. Vous
Voyez le cadeau qui arrive à cette personne, c'est un cadeau matériel pour moi. Il y a quelque chose, hein, une surprise inattendue, il y a du financier qui arrive sur la situation. Dans son commerce. Mais là, en fait, la situation, l'instabilité sur votre lien va se... Je vois que c'est la fin, hein. Il y a quelque chose qui va... C'est la fin. Je vois que vous allez fonder un foyer, une famille. Tout sera très fécond et fertile et des projets aussi pour moi professionnels. Vous, je vois que vous êtes mis à l'écart d'amitié. Ou alors on vous recommande de vous mettre à l'écart d'amitié qui peuvent créer de l'instabilité sur votre lien d'amour avec la personne de votre cœur. Ou perturber tout. Tous les projets. Les rêves que vous avez. On peut avoir beaucoup de pertes financières dans sa situation, mais il y a un cadeau qui arrive à cette personne pour soulager, pour appuyer, pour débloquer la situation de cette personne. Je vois que vous allez vous réunir sur votre lien. La personne de votre cœur veut se réunir avec vous. Et vous, là, vous ressentez, vous pressentez que c'est la réunion avec la personne de votre cœur. Ouais, et vous allez, sur le lien, vous allez ouvrir ensemble, la porte à cet amour et aussi à votre destinée. Et il y a un grand, grand beau soleil, hein, sur tous les projets, de la fertilité, etc., etc. Voilà. Ensuite. La personne de votre cœur, ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui. Oula! Les yeux, qu'il y a du vent. Le vent. Le vent se lève. Le vent, c'est. Alors, attendez. Voilà. Allez, ici. Alors, je pense à toi, la personne de votre cœur, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Donc quand la personne de votre cœur pense à vous, c'est très très agréable. Alors, vous, ce que vous voulez dire à la personne de votre cœur, avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Voilà. Allez, encouragement avec l'oracle des amoureux, l'encouragement que vous avez à recevoir aujourd'hui, précieux conseils, messages, ça saute. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc là, examinez pourquoi vous vous sentez dans cet état. Alors ici, rien ni personne ne nous séparera. Donc là, c'est ce que vous voulez vous dire l'un à l'autre, que rien ni personne ne vous séparera. Donc là, je partage des messages si vous êtes en non-communication avec la personne de votre cœur. Et vous aimez autant l'un que l'autre, en fait, entamez une phrase et que soit l'un ou l'autre termine cette phrase. Et on vous le précieux conseil aux deux, il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Donc soyez heureux seul avant même d'être dans vous dans tous vos domaines de vie avant d'être en couple. Soyez heureux dans tous vos domaines de vie avant d'être en couple. Et faites des prières, des demandes, prières, demandes, souhaits selon vos croyances pour atteindre en fait cette joie, ce bonheur dans tous les domaines de votre vie. Atteindre tout ce dont vous souhaitez atteindre. Voilà. Ok.
maintenant je partage mon écrit sentimental. Alors, aujourd'hui, on me parle d'une résistance. Je peux avoir aujourd'hui une résistance entre deux personnes. Peut-être une résistance entre deux personnes qui ne se résout pas, ou plus. Je vois une résistance, la résistance que vous pouvez avoir entre vous et une autre personne. Je vois que cette résistance va se dissoudre. Pour laisser place à une meilleure entente. Pour laisser place à une meilleure entente. Je vois que vous allez réussir. Vous allez réussir à signer des documents. Je vois que vous êtes extrêmement protégé. Et très assisté. Hein, à aider, assisté, soutenu, protégé. Voilà. Donc là, il y a une dissolution. une dissolution de résistance entre deux personnes. Hein. Une résistance qu'on n'arrive pas à résoudre. Il y a de la discorde. C'est dans la signature pour moi de document. D'accord? Voilà, voilà tout ce que je pouvais partager avec vous. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À bientôt!